ça va sûrement être de ma faute, non? Pour pas avoir installé une antenne géante sur la ville. En fait, ce que tu aimes, c'est te disputer avec moi, tiens. Moi, j'adore me disputer. Oh, vraiment? Oui, c'est clair, oui. Oh, mais je voulais juste te parler pour te dire que c'était involontaire. Facile à dire. Tu prêtes de menteuse, là? Ah, parce que ce serait moi, le menteur? Ne me parle plus. Pourquoi tu me crèves ou pas? J'y arriverais peut-être mieux si tu arrêtais de me hurler dessus. Alors, et pourquoi ne pas me demander de ne pas te déranger? Parce que tu m'as demandé de ne pas te parler. Et maintenant, tu me parles de ma... Oh, quand même, c'est pas si difficile de réussir à ouvrir une porte. Bon, là, ça suffit. Tu peux essayer aussi, puisque c'est si facile. Oui, j'ai compris. Bien sûr. Parce que, tu sais, c'est pas une question de force, c'est une question d'intelligence. Quand on veut obtenir quelque chose, on y met toute son énergie. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se parler? Il faut toujours qu'on se dispute. Je sais pas, je suppose qu'on n'a pas bien fait les choses, puisque c'est pas bien. Bon, et on pourrait aussi faire en sorte de redevenir de bons amis. Amis? Hé, hey, je t'aime bien trop, Violetta, et je... La poignée de la porte. Oh, vous étiez enfermé à l'intérieur. Oui, vous voilà. Étiez coincé. Et bon, vous pouvez sortir maintenant. Hein? Allez-y, passez. Non, mais c'est j'ai déjà pas y aller. Nous étions enfermés dedans. Oui,